Bonjour tout le monde, c'est Lord Ephraim, et aujourd'hui, on se retrouve pour avancer Final Fantasy 2. Donc, où est-ce que je suis? Tout simplement au nord de Flynn, parce que je me suis remarqué qu'en fait, il fallait aller un peu plus haut, ici. Donc si vous connaissez, bon là vous avez le Fort Cachouane, il suffit de descendre. Sauf que nous, sans foire, ils nous font monter par là. Donc ben, on va devoir monter tout ça. Alors, par ici, il y aura des nouveaux monstres. Bon, Ragaru, c'est du déjà vu. Ah, c'est vachement dur, hein. Quand même, 675 gueules, c'est bon. Alors, en fait, on va tout le temps faire gauche, haut, gauche, haut, gauche, haut, gauche, voilà. Tout le temps. Ah, ici, il y a également des... Comment ça s'appelle déjà? C'est The Gromage, voilà. D'ailleurs, j'en ai battu un tout à l'heure, il m'a laissé un tome Vémence, ce qui fait que ça augmente l'attaque. C'est en fait une sorte de furie, mais sans... Sans qu'il attaque tous les tours. Donc, un glacier, j'aurais préféré un leurre ou un Vémence, mais bon. Alors, il y a également des nouveaux monstres, des spirites. Qui sont pas spécialement chiants à part le fait qu'ils vous mettent de la bug et tout. On va attaquer en premier. Avément ça, je sais pas. Donc ça augmente l'attaque. Mais bon, vu que ils ont des attaques de merde, de toute façon, ça change pas grand chose. Ouais, j'aurais dû acheter en fait une seconde hache de maîtrise, mais bon, c'est pas grave. Avec les boosts que j'ai eu, je pense que ça pourrait passer. Alors, où est-ce qu'on est là? Ouais, on dit bientôt. Bon, on va accélérer. 300 guilds. Voilà, c'est ici. Enfin, le cuirassé. Donc, que voulez-vous? Donc, alors là, il faut pas vous tromper. Parce qu'en fait, on a un laissé-passer qu'on a trouvé. Voilà. Et le mec, c'est l'heure de la relève. Ok. Alors, évidemment, faut qu'il nous foute des combats dans un vaisseau. C'est original, j'ai envie de dire. Bon, revenons, vous avez déjà vu. Donc, alors, qu'est-ce que... Ah oui, ça déclenche des combats, c'est vrai. Alors, des capitaines, je m'en rappelle pas de ceux-là. Ouh, font mal. Est-ce que je suis censé les tuer à ce niveau-là du jeu? Ben, on va essayer avec les divers sorts. Là, si on va y aller. Ouais, ça m'a l'air assez chaud. Oh. Bon, c'est pas ce que je vais faire, mais bon. Alors, on va faire un glacier, un vie sur Guy. J'ai bien fait sur Guy. Merde. J'ai dit vie. Voilà, c'est bon. Ouh, il a fait bien mal. Donc bon, là, on va faire ça. Oh la vache, il est quand même assez fort. Voilà, putain. Bon, bah, faut pas parler aux gardes. Parce que Gordon s'en est pris plein la gueule. Aïe, et d'accord, et en plus il disparaît pas. Donc ne pas parler aux gardes. Donc bon, Kofayoni il a des points de vie. J'en profite pour soigner. Quoi? Bon. Alors, on va utiliser tous les gardes. Donc ça c'est. Ok, que dalle, merci. Ondara, donc ça c'est capable de vous empoisonner.
Ça peut faire du poison aussi. Comme les ragarou. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai la masse pour les garous. Oui, ça se fait pratiquement mal, hein. Vous voyez que Chirionil fait le plus de dégâts à la même gauche. Enfin, gauche droite plutôt. Alors, il y avait un coffre en bas, mais bon, forcément. Faut qu'il nous bloque le passage. Super Gordon ne peut pas faire d'attaque. On a sympa. 600 guild, ça c'est rien. Avec un combat à con. Alors, déjà, Gorgarou. Est-ce que ça marche à Garou-Garou aussi? Je ne sais pas. Donc c'est capable de vous fossiliser et de vous tuer. Ouais, apparemment elle marche bien. Bon. Bon, de toute façon, le poison ça lui fait pas grand chose. Y'a que Maria qui peut résister au poison, hein, dans l'équipe. La masse de mitrille, elle est pas terrible, mais bon. Hein. Voilà. Augmentation du bâton. Comme quoi, le bâton, c'est des fois, c'est une bonne arme. Alors, quand on a Izuna niveau 2, on peut faire ça. Sur toute l'équipe. Je pense que le niveau, ça doit être bon. Alors, par contre, ouais. Je vais toucher d'abord le spectre parce que il regagne sa vie quand on l'attaque physiquement. C'est bon. Donc, alors, ici. Ça, c'est des types de donjons où c'est des vrais labyrinthes, ces trucs. On s'en 9 guildes. Voilà, donc ici. Je sais pas si je descends au bon endroit directement. Bon, au pire, je vais le sortir les ports hein, pour revenir un peu en arrière. Ah. Bon, vu qu'il n'y en a qu'un, j'utilise l'antidote directement. Ok, donc là, il y a deux coffres en bas. On va les chercher. Oui. C'est pas forcément les jeux où on a pas de points d'XP, forcément. Nos personnages sont des merdes. Hein. Arc obscur, ouais, ça m'a l'air bien. Arc obscur, où est-ce que j'ai ça? Voilà. Ça augmente bien son attaque. Hein. Donc ça va lui faire bien plaisir à Maria. Alors forcément, ouais, si elle a ça. Ça, c'est chiant. Ouais, de toute façon, on va les battre tous. Parce que c'est surtout le rat qui est le plus chiant. Alors, un truc pratique. Qu'on peut faire Izuna niveau 2 sur tout le monde. Ah putain, ça n'a pas marché. On va voir. On va le faire ça hors combat, c'est pas grave. Bah voilà. Ok. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas marché en combat. Peut-être qu'il faut des niveaux supérieurs aussi en combat. Mitten, ça c'est des gants. On va le mettre ça à Gordon. Gant qui améliore l'agilité. Quoi que ça, je vais plutôt le mettre en fait à Guy. Voilà, vous voyez, il y a 15 en agilité. Alors, voyons voir. Ouais. On va profiter de ses MP. Parce que si Fiony qui a le plus d'MP dans l'équipe. Alors. Attaque Maria, je veux bien voir combien tu fais.
Ouais, 77. C'est mieux déjà. Donc. Poussin d'HP. Ouais, on a ouvert une porte de. Ah voilà, ça y est, on les a retrouvés. Ouais, on connaît l'histoire, hein. Évidemment, faut qu'ils y montrent dans leur cellule, hein. Ça, c'est fort, franchement. Donc, est-ce qu'ils vont se barrer tout de suite ou est-ce qu'ils vont attendre que je détruise d'abord le. Ouais. Ouais, donc faut parler à Sida. Donc, alors, je pense, ça m'étonnerait qu'il soit là. Donc, est-ce que j'ai. Collier, voilà. Et potion plus, ça devrait valer. J'ai toujours pas acheté des terres. Et les deux, bah forcément, ils vont sortir tranquille pendant que nous, bah, qu'on se déplace, bah forcément, on save tous les monstres du vaisseau. C'est à la fois magique, hein, ce truc. La logique du RPG, hein, c'est. Franchement, c'est un sujet qu'on parlera. Qu'on trouvera même pas l'explication dans toute notre vie, hein. Alors, ici on a deux coffres. Je m'attends à un des deux qui soit piégé. Plus. Ah non, aucun des deux était piégé, ok. Autant pour moi, c'est la logique du RPG, hein. Aussi la logique d'FF2 avec ses systèmes de portes où il n'y a rien dedans. Et même dans le dernier donjon, il y en aura des portes comme ça. Hein. Limite, en fait, si vous faites votre partie, il faut limite sauvegarder avant la porte. Et après faire un petit reset rapide, bon. Sauf que moi, forcément, ben, j'ai foutu la touche de capture. À la fois sur la touche de reset, hein. Et en plus, ça met du temps pour reset. Tout ce qu'on enregistre, ce sera le bordel et tout. Voilà, 1200 guilds. Bon, ça. Vous le savez pourquoi je le fais maintenant. Alors, ici. Bon, ben, on va devoir monter. Donc, la suite, je suppose que ça doit être en fait l'endroit où j'ai vu. Ah, par contre, Fioni, il a moins de points de vie. J'ai pas fait gaffe, bon. On va laisser comme ça quelques temps pour voir. En bas, il y a quoi? Parce que j'aimerais bien y aller voir. Faut vraiment qu'elle augmente à l'arc Maria parce que là je sais pas ce qu'elle fout mais bon on va les voir. Ah, elle est comme à 6. Putain mais elle frappe de la merde. Ouais je vais aller voir. Putain, là il y a pas mal d'ennemis. Bon là je peux utiliser mes soins mais je préfère les conserver. Pour raison fort, c'est pas plus mal. Après, peut-être quand je serai beaucoup plus loin dans le jeu, je changerai son arme. Et je la passerai en ligne avant. Parce que à la fin, ce sera très facile d'augmenter en fait. Parce que vu que vos personnages auront beaucoup de vigueur et beaucoup de magie, surtout en vigueur, quoi, ça va être super facile pour eux de monter. Donc, alors, on met. Ok, donc j'ai bien fait d'abord descendre. Même s'il va falloir que je refasse le demi tour, c'est un truc de fou. Oui, d'accord.
je vois pas, attends. Là, ils me disent, la cellule est vide, mais il y a un coffre. Donc, je m'en rappelle plus comment faire pour l'atteindre. On va faire comme ça, hein. Oh, c'est chiant ces combats, je vous dis. Un, six, quatre, super. Voyez ma stratégie, franchement, elle est... En plus, le pire, c'est ça, quoi. C'est que je fais une stratégie à la con et ça passe. Ah, elle a fait un tronc droit, je comprends pas, mais bon. Bon, tenez ça. Alors, collir. Potion plus, ça devrait aller. Faudrait que je... Ok, j'ai pas vu qu'il y en avait... Que gars était empoisonné aussi. Donc, ouais. Donc, super embuscade de ça, je vous dis pas. Avec Guy qui est paralysé. En plus, on voit des gardes en dessous, donc. Bon, cette fois-ci, j'en ai marre. On va utiliser Guy. Il a quand même 120 MP. Voilà, comme ça, c'est mieux. Il faudrait qu'il soit un peu plus rapide et c'est bon. Alors, ça, c'est un endroit qu'on avait vu. Des charognards, je sais pas ce que c'est. Donc progression d'HP, ok. Là, quoi, ouh, des jolis coffres. Main gauche. Ça, c'est... Main gauche, c'est déjà Syndac, voilà. Un trident, c'est lance. Là, ok. On a un combat, mais c'est pas ce que je voulais voir. Fin de progression à deux tomes brasier, c'est sympa. Casque géant et bouclé. Je... Ah, celui-là était piégé. Donc, oula, on a un gigas. Et ça, c'est pas mal du tout. Ouais, surtout si fait ça sur le gigas. Bon, je pense qu'à mon niveau surcheaté, je pourrais le battre. Mais normalement, vous devez quand même on bavait pour le battre. Donc, je vais faire. On va voir. On va essayer de trouver ce qui craint. Hein. Ok. Donc déjà, physiquement, c'est pas la peine d'y penser. Ouais, ok. Est-ce que la glace, ça ferait quelque chose? Ouais. Vulnérable apparemment à la glace. Donc on va faire du glacier, on va spammer. Ouais, il est vulnérable à la glace apparemment. Ou peut-être au brasier aussi, parce que foudre, il fait pas énormément de dégâts. Ouais, bon. Encore ça devrait passer. Voilà. Plus de gigas. Donc, tombe véhémence et une potion. Donc, on va équiper un casque de géant. Casque géant. Ça augmente à fois l'attaque. Et bon, ben, on va se soigner avec Guy. Vas-y, c'est bon. Ah,
Ah, les combats, ça vous saoule, je sais, mais bon. C'est ça, Final Fantasy 2, je vous dis. Mais bon, ce donjon-là, il est pas très long. Mais je vous dis heureusement. Voilà, donc, si tu peux te pousser, voilà. Donc, c'est devant cet escalier que nous allons nous quitter. Voilà, devant cette porte. Je vais aller chercher... Je vais essayer de trouver moyen d'ouvrir le coffre du début. Donc, bon, YouTube pour ça est mon ami, hein. Oui, parce que... Des fois, il arrive des petites merdes, hein, quand même, quand on en fait un walkthrough. Et quant à moi, ben, je vais sauvegarder ici, pour passer à sauvegarde sur celle-là. Voilà, je m'arrête ici, j'arrête l'enregistrement, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tout le monde.